Ça, c'est un bon débat. Alors, les hommes, alors, où les Valentins osent moins, où on a remarqué, en fait, depuis à peu près 2 ans, enfin, 1 an et demi, je sais pas si c'est le phénomène 50 nuances degrés ou pas, c'est possible. Mais disons, les hommes, ils ont moins l'approche. Il y a toujours des hommes qui viennent, qui achètent de belles parures, des choses sexy. Et alors, on voit aussi que, les hommes sont plus réservés, ou alors ils osent moins. Et c'est plus les femmes qui viennent et qui achètent d'elles-mêmes, sans que ce soit leur compagnon qui leur offre, ou une guêpière, ou un serre-taille, ou vraiment quelque chose de très très sexy, ce qui se faisait moins il y a encore 2 ans en arrière. Alors pour une fille timide, en général, c'est plus une parure, disons, un peu plus sobre, pas trop affriolante, pas trop sexy non plus, mais qui reste quand même féminine, avec de la dentelle, avec plutôt le shorty, plutôt que le string, voilà, des choses comme ça. Alors pour une fille coquine, il y a différentes choses. Il y a des soutiens-gorge un petit peu plus découpés, il y a des guêpières, il y a des serre-tailles, des porte-jarretelles. C'est vrai que des bodys aussi à lanières. Il y a vraiment un éventail assez large. Une fille un peu plus sportive, bien sûr. Alors, on s'oriente plus vers des parures un petit peu microfibres, donc c'est des soutiens-gorge plus lisses, avec des strings, des shorties, des slips en microfibre, mais qui sont très bien, qui restent de jolies parures. C'est sûr que c'est un très beau cadeau. Après, chacun voit midi à sa porte. Il y a peut-être d'autres personnes qui vont trouver plus de plaisir à avoir, je sais pas, un bijou ou des fleurs, ou voilà. Mais c'est sûr que c'est un très beau cadeau et qui fait toujours plaisir.